En fait, je pense qu'on est parti pour un genre de Dark Soul-like. Et qu'on va très très vite le regretter. Compteur de mort 2. Ah, ça commence à compter. Ça commence à compter. Under Soul. Toc toc toc. Coup de pied dans l'échicot. 23 725! Pourquoi on lui fait pas des coups comme ça? Pourquoi je me suis lancé dans le projet de faire une route génocide moi déjà? Ok. Là c'est QTE pour moi, hein. Tac, tac, tac. Ok. Premier coup, il est easy peasy. Tac, tac, tac. C'est le troisième qui est chaud. Ok. C'est celui-là que je calcule jamais. Celui-là, il est affreux, sans déconner, il est affreux, ils arrivent tous en même temps. Mais je me demande si... Je regarderai, mais je me demande si pour la rediff, je mettrai pas un compteur de mort. Le vent se lève. Très bien. Je n'ai plus que 6 points de vie. On va se prendre la petite quiche des familles. Là, c'est les lances. Ah d'accord, je pensais que les lances ça me suivait. Non, 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 elles visent n'importe où en fait. D'accord. Pratique. Pratique. D'accord. J'essaie de voir un peu comment ça fonctionne. Bon, donc ça fait droite, milieu, droite. Enfin, comment dire, gauche, droite. Gauche, milieu, droite, milieu, gauche. Ok. C'est un cycle, c'est un cycle. On va s'en sortir. Salut, je kiffe Undertale. J'adore! J'adore, mais je regrette à mort d'avoir fait la roue génocide. On va la mériter notre fin. Sauf qu'il va falloir farmer. Pourquoi je joue au clavier? Pourquoi tout le monde veut que je joue au clavier? Bon. Je vous écoute, on va essayer le clavier. Par contre, j'ai plus du tout les touches en tête. Ce qui est problématique. Non, je te donne pas en plus, hein. Attends. C'est quoi les touches? C'est quoi les touches? Ah! Tâche, tâche, tâche. Ok. On va essayer le clavier. Je vous fais confiance. Par contre, du coup, est-ce que j'ai véritablement droit au bonhomme de neige? Parce que si c'est le cas, ça peut changer pas mal de choses. Ah, d'accord. C'est A et Z. Ok. On est chaud patate. On est chaud patate, on est chaud patate, on est chaud patate. Ok. Parti pour un premier esquive. Ok. Honnêtement, honnêtement, je préfère la manette. Je suis pas assez chaud pour faire toute la main droite alors que je fais toute la main gauche depuis le début. Ok, tâche, tâche, tâche. Faut que j'analyse cette phase-là. Cette phase-là, elle est mortelle. Ok, d'accord, j'ai compris. Alors, vous allez me dire, vous me l'aviez dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut suivre la flèche rouge. C'est vrai. Quelqu'un me l'avait dit tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. C'est vrai, il faut suivre la flèche rouge. Ah, non, non, non. Wow, wow, non, je me suis pris un coup. Dommage, j'ai vraiment cru. Tèche, tèche, tèche. Ok. C'est très aléatoire en fait, non? Non, hein? Vert. C'est quoi déjà vert? C'est, je peux pas m'enfuir, je crois. Mais je vais pas attention de m'enfuir. Faut manger le lapin à la cannelle. Quoi? Quoi? Ah mais non, mais c'est pas le rouge du tout en fait. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la flèche rouge. Ça n'a rien à voir du tout. Bah justement, elle était là pour me tromper la flèche rouge. Tout ira bien, Kasbah. Garde ta détermination. Je garde ma détermination tant que je le peux. Se faire du parkour sur un Nin, c'est une mauvaise idée, Kasbah. Objectivement, ce boss lui réussira au réflexe et à l'intuition. Bien sûr, attention, j'ai pas attention de faire du parkour. Et puis, de toute manière, je pense que toi-même, tu l'as compris, il n'y a pas trop moyen de faire du parkour sur certaines phases. Genre les phases, justement, où t'as toutes les croix qui t'attaquent.
Le par cœur, honnêtement, j'y crois pas trop. Il faut de la détermination. Oh là là, oh là là, oh là. C'est comme les boss dans Dark Souls en fait. Pour les personnes qui regardent que ce live-là et qui n'ont pas suivi les quelques lives que je faisais sur Twitch ou des fois de temps en temps sur YouTube, j'aime bien jouer à Dark Souls ou à Bloodborne, donc tous ces jeux un peu difficiles. Sauf qu'en fait, quand j'arrive devant les boss, j'ai toujours cette phase où c'est même pas. Je suis pas prêt parce que je sens que je vais perdre, c'est j'ai pas la motivation en fait d'y aller. Il me faut la motivation de me faire le boss, tu vois. Et si je l'ai pas déjà de base, ça va pas le faire. Et là, sans vous mentir, on n'est pas très très chaud. Ok, première esquive. Celle-là, elle est donnée, honnêtement. Je dis qu'elle était donnée! Oh là là, oh là là, oh là là! Tue-moi, 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 s'il te plaît. On va recommencer. Oui, j'ai compris, mini titan pour les morceaux de bonhomme de neige. Bah, dur d'être motivé à faire le boss alors que t'es en tort dans les faits. Non, c'est même pas ça en fait. C'est ne pas être motivé tout court en fait. C'est même pas une idée de fée ou quoi que ce soit. C'est juste. Enfin, je veux dire. Juste pas envie d'affronter un boss en fait. C'est comme si tu joues à un jeu et je sais pas, il arrive quelque chose de difficile et c'est même pas t'es pas concentré, c'est t'as pas envie. Donc si t'as pas envie de base, tu vas pas réussir à faire grand-chose. Bah là c'est un peu pareil en fait. Bon, allez, on se concentre. Sinon on fera une petite pause. Va falloir que tu fasses vraiment mieux que ça. J'y compte bien. Ok. Oui, il y avait un coup qui était jaune. Ok, concentration. Concentration. Ok. T'es obligé d'avoir une vue en trois dimensions en fait. Ça marche bien ça. Très très dur cette phase. Les coups jaunes sont plus puissants. Oui, c'est bien ce que je pensais. Tu as visé correctement, alors tu as fait un coup critique. D'accord. Après, fais gaffe aux jaunes, pas les chinois. Oui, les flèches jaunes, oui, exact. Exact. Wow, du calme, les frères, du calme. Tout va bien. Ok. On analyse son pattern. Ah, je le sais d'où elles viennent, sauf qu'au dernier moment, je sais plus quelle flèche va où. En fait, à la fin, c'est même pas tes flèches. C'est même pas t'esquives à gauche et en haut, c'est t'esquives en bas et à droite. Donc en fait, dès le début, je devrais avoir ce réflexe-là, c'est de me mettre à cet endroit. Après Undertale, tu feras le premier Dead Rising. Non! Non, 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 on en a parlé hier, certes, j'avais dit que je le ferais, mais je le ferais pas directement après Undertale. Il y a d'autres petites choses que j'aimerais faire avant. Bordel. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Tout bien. Compteur de mort 6. C'est tout? Non, je veux dire, c'est tout. Examine le Monster Kid. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le Monster Kid? Petit monstre. 2 points d'attaque et 2 points de défense. Bah oui, mais il est nul. Tâche, tâche, touche.
Ok. Concentration. Stal. Ouais. Concentration. Donnez-moi de l'énergie, les Kazmas. C'est parti. Ok. Bon, je me répète pas, hein, mais honnêtement, là, j'avoue que même pour moi, c'était joli. Ah, mais non, cette technique marchait bien tout à l'heure! Oui, si, ça va en fait, c'est juste le premier coup, il faut bien le passer. Pendant 2 secondes, j'ai eu l'impression qu'entre les deux, il n'y avait pas moyen de se faire toucher en fait, du coup, j'étais vraiment à fond, moi. Lapin! Vous mangez le lapin à la cannelle! Ils arrivaient en plein milieu. Bordel! J'avais bien compris le truc. Qu'est-ce que... What the... What the... C'est dur, ça! Oh là là! Faut cerner le truc, hein! La quiche! Mangez la quiche! Ah mais elle me suit, j'avais pas cerné. Oh là là, oh là là. Enfin j'avais pas cerné, j'avais pas compris, pardon. Ah mais attends, parce que j'ai même pas le temps de me défendre en fait entre tout ça. Ah mais merde. Ah, je vois pas les attaques arriver. Dommage. Ah. Comment il a fait pour checker Monster Kid s'il a pas de bras? Quand tu examines un monstre, faut regarder la description sous les stats, sinon ça perd tout son intérêt. Bah oui, mais il y avait rien marqué de particulier, si. Aurais-je loupé quelque chose d'intéressant? Bon, on se fait un 10 morts. Et on fait la pause. T'affrontes qui? On en a eu Endin. Est-ce que tu connais Glitch Tail? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Attends. Alors, petit monstre. De l'expérience sur pattes. Bah oui, ça je l'avais vu. Mais c'est tout. Ah, c'est parce que peut-être que je l'avais pas dit tout à l'heure. Oui, ça me dit quelque chose. Jaune Kazma, tu vas rager. Non, honnêtement, il me faut beaucoup plus que ça pour rager. Je me souviens que le jeu qui m'avait fait vraiment rager la dernière fois, c'était Marvel vs Capcom 3, sa première sortie sur Xbox. Et j'avais tellement ragé dessus sur le boss final. Je m'en souviens, j'avais... Bah je crois que j'étais resté toute l'après-midi. Oui, il y avait moyen. Et j'ai tellement ragé dessus que depuis, j'ai plus jamais ragé. Voilà, c'est une expérience qui m'a traumatisé. Donc honnêtement, faut y aller pour me faire rager. Cassoulet, 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 cassoulet. Ah, dommage. En se concentrant, on peut voir vaguement, mais... Mais non. Bon, c'est pas grave. Ça fera l'affaire. J'aime bien cette technique. Honnêtement, pour moi, cette attaque-là, c'est la pire. Entre ça et les lances qui font des ronds autour de toi, autour de moi, celle-là, c'est les pires. Parce que j'arrive vraiment pas à les calculer.
Non mais je déconne pas Azur, Marvel vs Capcom m'a fait rager, mais je sais pas, peut-être un autre temps, une autre époque, un autre style de gameplay, mais je sais pas. Honnêtement, non, je te jure, j'ai jamais ragé autant que dans ce jeu-là. Même dans Dark Souls, je rage pas. Mais what? Je sais pas. Marvel vs Capcom, il m'avait fait. Mais je parle du niveau max, hein, je parle pas du niveau normal non plus. Enfin, après voilà, comprendra qui pourra, mais. Ce jeu m'avait traumatisé. Ok. C'est parti. Pas évident tout de suite, hein. Mais ça marchait bien comme technique avant, pourquoi ça marche plus? Petite quiche des familles. Mince, j'ai oublié d'appuyer. What? J'ai fait quoi? D'accord, ok. J'ai pas compris la dernière attaque. Bon. On est en PLS. On est en PLS, on n'est pas bien. Les patterns, ça va, ça commence à aller pour la plupart, mais je crois vraiment le pire, c'est celui où il y a les trois lances vues du bas. Celui qui fait gauche, milieu, droite, gauche, milieu, droite, parce qu'il change en fait, c'est jamais pareil. Et celui-là, c'est le pire. Celui-là, c'est le pire, j'arrive pas à m'y faire. J'arrive pas à. Je sais pas s'il a un pattern d'affiné ou quoi, mais j'ai vraiment l'impression que celui-là, il est en aléatoire. Celui-là, il est vraiment terrible. Là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous lâcher pour ce combat. Ah, je vous en veux pas, hein, c'est tout à fait normal. Moi aussi, des fois, je trouve ça relou de voir un mec qui galère pendant 1 h 30 avec un monstre. Ok. C'est beau parce qu'il y a 50 personnes sur le live et 50 pouces bleus. Ah, j'en ai 49, moi. Moi, j'ai 50. Bah écoute, tu sais quoi? Pouf, on n'a rien vu, j'ai 1050. Ah, bah, j'ai 47 personnes. Ah, mais non! Désolé, arrêtez, revenez! Je coupe le pouce bleu! Ok. On en a à 9 morts, je crois. Non, j'ai fait n'importe quoi. Concentration. En fait, dès que tu perds le fil, c'est mort. Dès que tu perds le fil, c'est mort. Il faut que ton cerveau il se remette en place. Et là, évidemment, c'est le combat où je perds tout. La technique a marché. Tâche, touche, tidouche. Le mieux qu'on a fait. Aïe. Oui, donc je disais, le mieux qu'on ait fait, c'est de lui retirer la moitié de sa life. Mais faut s'accrocher hein, pour t'en tirer.
l'impression que les flèches elles viennent en plein milieu. Mince! Oui! Ok, alors là par contre il y a l'attaque que j'aime pas non plus. Ça pareil, il faut que je la serre. Ah, mais elle est très très dure à cerner. Mince! Ah, ça pique! Ça pique, ça pique, ça pique. Casse-moi sa gueule à Undine, mon chaune. Pardon? Vas-y, grenier! Non, mauvaise vidéo, exact! Bon courage, merci, à plus Azur! Bon. On en est à 11? T'as intérêt à gérer parce que j'ai parié que tu ferais 21ème. Mais je l'aurai à la 21ème. Bon allez, on en fait une dernière petite bonus, mais vraiment parce que ça y est, il commence à me chauffer, il commence à me donner envie le boss. Mais c'est pas bon. Je sais plus c'était sur quoi, je crois que c'était sur Mario. Comment il s'appelle le Mario où tu peux créer sur Wii U et DS? Oui, je vois du culture. Bon, je sais plus comment il s'appelle, mais la dernière fois qu'on avait fait un live de ce genre-là où il fallait vraiment pas capituler, c'était sur un Mario. Et le niveau, genre, j'avais dit au bout de 20 minutes que j'allais arrêter bientôt parce que je voulais pas vous faire galérer et tout. 4 heures après, on y était encore. Ouais, Mario Maker. Mario Maker, merci. Ok. Ah, c'est ça que j'ai oublié de dire si jamais on veut essayer de jouer à Mario Party 7 avec les gens. Ah oui, bah écoute, si tu veux faire ta petite annonce. Mince, j'ai fait quoi? Ah, je me suis laissé surprendre. J'avoue, j'ai été faible. Par contre, faut quand même avouer que sa musique est super stylée. Ah bon, j'ai été perdu sur la fin. Non, mince. Ah, je me suis refroidi, j'étais pas prêt. En fait, j'ai lancé cette partie, mais en vrai, je fais pas attention à ce que je fais depuis tout à l'heure. Tâche, touche, scalouche. Honnêtement, si quelqu'un a une technique pour ce truc, mais y a vraiment personne qui a une technique pour ça? Parce que ça, c'est le... Moi, c'est mon point faible, ce truc. Pour le moment, en tout cas. Ah. Nous rappelons, du coup, Sean n'a pas 10 morts, mais en a 11. Et on va se faire une petite pause... Aïe 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 aïe. Parce que là le Kazma en a bien besoin. Bon, est-ce qu'on fait une pause et on revient tout à l'heure? Ou est-ce qu'on arrête la première session ici? Enfin la seconde session du coup. Je sais pas. Bon, une pour le kiff parce qu'il commence à me chauffer. Allez, on va lui botter les fesses. S'il y a des gens qui ont des véritables astuces, honnêtement, n'hésitez pas. On va faire une pause parce que c'est ton anniv. D'accord. Alors attends. On fait juste ça. Et on fait une pause. Pouah! J'ai mis un coup de pied jaune dans la figure! Là, dans la brume, ma lance enlève ta lacère ma peine. Et exhume dans la violence la colère. Jaune pour le petit carré reste sur deux lignes. Et regarde d'où la flèche apparaît. Bah oui, c'est ce que j'essaye, mais tout à l'heure j'y arrivais plus ou moins. Sauf que ce que je dis en fait, c'est alternative. Enfin, c'est alternatif. Oui, c'est jamais le même rythme. Jaune! En fait, faut surtout que le troisième coup soit jaune. Le reste, on s'en manque un peu finalement. Ah mais! Mais je sais que c'est un rond, pourquoi est-ce que je galère?
concentration. Tu m'auras pas. Méchante Undine. Aïe. Ça pique un peu quand même. J'arrive vraiment pas à calculer cette phase. Cette phase, je... Parce qu'en fait, si tu veux, il y a le bout des flèches qui commence à sortir, mais c'est pas pour autant qu'elle va se lancer, donc tu sais pas en fait. Attends que la lance touche le bord et commence à disparaître. Je suis pas sûr d'avoir compris. Ce truc là aussi il m'embrouille. Mais à la limite ce truc là ça va en... Enfin... Non, non. C'est... Les deux faces de lance, il faut que... Faut regarder. Bon, allez, on se fait une petite pause. On arrête ici pour maintenant. On va couper le live. Si jamais peut-être qu'on reviendra tout à l'heure pour la suite. Ou peut-être pour un autre jeu, qui sait. Parce qu'avec Sean... Stal, pardon. Avec mon autre moi-même qui attend dans la salle d'à côté, mon remplaçant, il faut qu'on en discute, savoir si je le fais ou il fait la suite. Et du coup, merci à tous d'avoir suivi cette deuxième session. On a assez bien progressé, l'air de rien, puisque de ce que j'ai pu comprendre, Undine et Metaton X... Metaton Neo, Metaton Evolué sont les deux boss les plus compliqués du jeu, enfin pour la route génocide. Et du coup on va galérer mais ça va le faire parce qu'on est des Kazma, on y croit et surtout on a le Genki Dama de la détermination et ça c'est cool. Bisous à tous, on se retrouve très bientôt, peut-être à tout à l'heure, peut-être je ne sais quand pour les personnes qui regarderont la rediff. Bisous à tous, ciao ciao. Bon. Cette deuxième session s'est bien passée. Honnêtement, je trouve qu'on a progressé. Par contre, c'est vrai qu'on va reprendre la session 3 avec ce combat de boss. Et va falloir l'étudier. Va falloir l'étudier, ça va être du boulot. Genki Détermination, exactement. Ça va être du boulot, mais on va y arriver. Bon. On vous dit peut-être à tout à l'heure, les gens. Voir si on continue Undertale, voir si on fait autre chose. En tout cas... normalement, il devrait y avoir un autre live. S'il y a des personnes qui veulent savoir, non, il n'y aura pas de live demain. Normalement, il y aurait dû en avoir un, sauf que demain, je vais aller chercher ma nouvelle carte graphique. Et du coup, surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, parce que c'est là que je dirai si jamais il y aura possibilité de faire Assassin's Creed 3 par la suite. Et ça, je sais que ça en intéresse plus d'un. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, RDV sur Twitter. Voilà. Bisous à tous. Passez une bonne fin d'après-midi. Ou à tout à l'heure, du coup, si on se retrouve. Bisous, bisous. Salut, bisous.